Avec les Judas. Que 2016 soit pour nous une année de prospérité, une année de victoire sur nos ennemis. Amen. Nous ne pouvons pas exclure une vie des ennemis, l'endroit des ennemis, mais il ne faudrait pas qu'ils soient dans ton intimité. Amen. Amen. Parce que c'est eux qui te trahiront demain et qui vont te livrer. Alléluia. Amen. Et que Dieu nous accompagne en nous donnant assez de grâce et de bénédiction. Amen. Demain, je reprends le service à 9h. Je vais commencer à travailler 9h toute la journée parce que j'ai beaucoup d'énergie. Nous allons travailler avec la réception. L'après-midi, nous allons commencer à faire les délivrances. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nous reprenons nos activités. Demain, je vous donne le programme de demain. Il y aura la réception. Après la réception, l'après-midi, nous allons engager les séances de délivrance. Amen. Et puis dimanche également, et ça va se poursuivre comme ça. Et nous sommes aussi en train de préparer également la Noël. Nous préparons aussi la Noël et puis la nouvelle année. Et tout ça, rester dans un esprit de prière, ça c'est beaucoup important. Et que Dieu vous visite dans vos maisons. Demain, je vais vous montrer les actions à mener. Il faudrait que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos maisons. C'est important. Voilà, il y a des secrets et des choses que je dois partager avec vous. Pour que Dieu puisse vous bénir davantage. On dit Amen. Amen. Donc demain à partir de 9h, nous commençons toute une série d'entretiens, c'est-à-dire de réceptions. De l'après-midi, il y aura un programme de délivrance demain soir. Et dimanche matin, nous aurons le culte. Que Dieu vous fortifie. Amen. Et qu'il vous bénisse davantage. Amen. Toi, tu es venu, tu es fait délivrer. Moi. Oui, tu es venu. Oui, tu viens de te faire délivrer. Oui. Tu viens de te faire délivrer. Oui. J'aurai un entretien avec toi. J'aurai un entretien avec toi. Oui, mais... J'ai vu des choses sur toi. Faut être sincère. Okay. D'accord? D'accord. Faut être sincère. Parce qu'ici, ce n'est pas du bordel. On va poser après toi. Hum? On va poser après toi. Que Dieu nous fortifie. Amen. Amen. Voilà, donc demain, nous allons rentrer dans le domaine de révélation, dans le domaine de la délivrance. Nous allons même délivrer même les sorciers. Demain, ça se reste délivrance. Nous allons attaquer. Ça vous dit de croire. Croyez à votre délivrance. Amen. 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 Croyez à votre délivrance. Amen. Amen. C'est ta foi. À ta foi, Dieu te répondra. C'est ta foi. Amen. Amen. Vous êtes ici. Méfiez-vous de tout le monde. Vous êtes venu ici pour prier. À côté, pour ne peut-être pas que ça vous intéresse. Regardez à Jésus. Il faut savoir dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Et quand ça te principe, là, Dieu te bénit. Amen. Amen. Voilà, donc ce soir, c'est fini. Soyez fortifiés. Ce que tu veux être demain, là, tout dépend de toi. Ce que tu veux avoir dans le Seigneur, tout te demande. En fait, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois dans ton miracle, tu crois dans ton miracle. Je sais que Jésus va vous guérir. Amen. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas encore commencé à prier, mais demain, on va vous communiquer une onction. Parce qu'on ne peut pas parler de 2016 sans délivrance. On ne peut pas parler sans guérison. Ici, si tu veux entrer dans 2016 pour que tu sois en bonne santé, si tu dois rentrer en 2016 pour que tu sois délivré et débarrassé de tous vos sorciers. Amen. Nous allons poser des actions pour que ceux qui ont des regards négatifs sur nous tombent. Ils doivent tomber. Amen. Les gens doivent tomber. Voilà, pour que les gens tombent. Amen. Amen. Donc le principe c'est Jésus. Ayez Jésus-Christ dans vos cœurs et dans vos vies. Ne venez pas ici pour faire passage. Parce qu'on a envie peut-être de faire. Non, ayez Jésus-Christ véritablement dans vos vies. Vous avez Jésus-Christ, il continuera de vous bénir. C'est pour ça que nous mettons beaucoup l'accent sur la parole d'abord. Nous prenons le temps de prier pour vous.
Et nous prenons le temps de vous annoncer l'évangile. Ici, c'est l'évangile du Seigneur. Amen. C'est le principe. Ne venez pas pour jouer. Oh, comme d'habitude, il y a des gens qui viennent. Allez, venez jouer. Il y a des gens comme ça qui viennent s'amuser. Ne mettez pas l'amusement dans cette histoire de Dieu. Si vous les cherchez, vous allez la voir. Il se libérera chaque temps qui continuera de vous. Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est béni. Demain, ça sera encore plus intéressant. Les sorciers, ça va? Ça va? On a dragonnier, dragonnier. C'est le propriétaire du dragon de Brock. On l'a tué. Hein? Monsieur? Ça va? Tu es resté longtemps ici, hein? Le colonel pour l'appeler, tout simplement. D'accord. Il est resté longtemps ici. Monsieur, ça va? Il va en Allemagne. Là. Hein? Mais quoi un peu? Toi, tu as visa, tu vas, tu as avion, tu fais 2 minutes. Or, nous, pour aller chercher visa, ambassade, on peut te dire non, oui, oui, tu es stressé pour le résultat. Toi, tu as déjà ça. Avion au monde dedans, ça dure dans. Toi, tu fais 2 minutes. T'as fait ton avion. Tu es déjà arrivé. Puis tu dis un peu. Ça va? On ne finit pas de connaître l'homme. Hein? Et monsieur te met au monde, pourtant c'est lui qui est le judas. C'est lui qui va te manger. Un sauce blé, c'est ça? Quelle est la sauce que tu aimes là-bas? Monsieur, ça bouge pas, hein? Tu aimes quelle sauce là-bas? Hein? Oui. Tu n'es pas ici ou bien? Ça va ici? C'est sorti? Le dragon, on fait comment ça? On peut combien le dragon? Il vole ça. Et comment tu lui donnes ça? Quand il y a l'homme. Vous comprenez? Et vous n'oubliez pas que nous on attaque la société. Nous on élève chat. Chat il mange poisson, moi sardine. Toi tu élèves dragon, lui il ne boit que le sang de l'homme. Pour donner le sang, il faut forcément tuer. C'est pour ça que nous sommes révoltés contre la sorcellerie. Donc tu bois beaucoup de sang. Oui, papa. Et tu lui donnes, il est content. Oui, papa. Il ne boit pas Bissap. Non. C'est même couleur là, non? Non, mais c'est rouge, n'est-ce pas? Bissap, où est le vin? Bon, le vin, il peut se saouler. Je dis non, mais Bissap, c'est même couleur. Il ne boit pas Bissap? Non, vin. Il refuse le vin? Non, c'est le sang. Le sang humain. Oh, il y a combien dans le corps de l'homme? Au moins 3 litres, non? C'est 5. Donc, il boit combien de litres? Tous les litres de sang qui sont dans l'homme. Donc, quand il te prend, il boit tout. Oui, papa. Tu tombes en même temps. Oui, papa. C'est méchant. Hein? Donc tu as tué beaucoup. Oui, papa. Et tu l'as pris où? Ta bête là, ta chose là, tu l'as pris où? C'est les parents qui l'adoraient ça. Et puis ils t'ont dit tiens. Oui, papa. C'est héritage. C'est héritage de mes parents. Et puis ils t'ont donné ça cadeau. Oui, papa. Et puis tu fais quoi ça? Je prends ça pour tuer les gens. Comment tu t'arranges? Si il a faim, il vient, puis je lui donne une personne. Là, il vient, là, souvent il a faim. Oui, papa. Il a faim, souvent. Oui, papa. Il a vraiment faim. Pourquoi lui-même ne cherche pas à manger? Et puis c'est toi, il vient, puis tu lui donnes à manger. Parce que je suis sa femme. Ah. Mais c'est le garçon qui cherche souvent aussi. Ou bien, comme c'est la femme, lui vient, il mange son main. Il ne va pas aller chercher lui-même.
Il vit où? Il est dans ma maison, je vois, il est dans mon corps, il est dans tout, mon est dans mon ventre, tout partout dans ma cour, il se promène dans ma cour. Et tu ne le jettes pas? Il donne dans ton ventre? Oui, papa. Il fait quoi la sieste? Oui, papa. Non, mais c'est terrible, hein? Comment le dragon va venir nommer? Tu ronfles dans ton estomac. Il s'agit du bien. Il donne dans ton estomac. Oui, papa. Il ne mange pas ce qu'il est dedans. Pourquoi il ne mange pas? De quoi il est dans mon cœur. Comment tu expliques ça? De quoi il est dans mon cœur, puis il dort. Je sens cela. Lui, c'est dans le cœur, il dort dans le ventre. Oui, il est dans tout mon corps. Pourquoi tu ne fais pas une chambre, tu mets matelas avant pour aller dormir? Il est aussi dans ma maison, il est partout, il se promène là où je suis. Là où je suis, il se promène. Et puis tu le regardes. Oui, papa. Et souvent, il te dit, maman, là, j'ai faim. C'est ça, non? Tu veux comment il t'appelle? Comment il t'appelle? Chérie, ou bien... Non, souvent, les gens appellent maman, les femmes, maman. Comment lui, il t'appelle? Quand il veut manger, il te dit quoi? Je suis sa femme. Non, il dit quoi? Je sais. Lui, il te dit quoi? Je dis ma femme. Hein? Chérie, c'est ça? Oui. Il sait dire chérie? Oui, papa. Que j'ai faim? Oui, papa. Et puis, il dit quoi? Il a compris? Il a compris. Et tu cherches? Oui, papa. Il faut aller manger, Zadi. Oui, papa. Et puis, Zadi le mange. Non, doucement. Vous êtes parenté? Non. Non, mais doucement. Il faut pas ton cœur chauffe. Hein? Justement, on démystifie ça. Elle est fait exprès. Elle n'est pas exprès, elle dit. Je suis en train de démystifier la société. Sinon, si maintenant, dans tout un sérieux, vous allez faire ici. Il faut démystifier ça. Voilà. On ne doit pas avoir peur de la chose. On ne doit pas avoir peur de la société. C'est pour ça qu'il démystifie. Qu'on retienne qu'il n'y a rien dedans. Qu'ils ne sont rien. C'est tout. Nous n'avons pas les mêmes manières de voir. Hein. Moi, je vois une personne à sauver. Elle ne peut pas venir s'arrêter comme faire exprès pour parler. Parce qu'elle n'en veut pas. On lui dit faire exprès. Non, papa. Tu l'as laissé où tomber, ton chéri? Madame. Papa. Donc tu as tué combien? Beaucoup. Plus de 400. Plus. Oui, papa. Tu prends, tu donnes, tu prends, tu donnes. Oui, papa. Et puis, il mange. Oui, papa. Lui, c'est le sang qui l'intéresse. C'est le sang humain. Pas du sable. Non. Tu seras délivré. Amen. Amen. On dit, ah, le monsieur, il est mort dans l'église sévère. Le dragon habite ton sang. Et les gens, leur sang finit toujours. Ils vont prendre des médicaments des blancs qui n'ont pas ça. C'est le monsieur, le serpent. Lui aussi, c'est la même chose. Monsieur, tu élèves ça aussi, non? Je mange la chair humaine. Il y a la chair qui est collée dans ma gorge. C'est pas bien collée. Ouais, c'est tout le monde mange. Et les chairs collées dans son ventre. Dans ma gorge. Hein? T'as mangé qui s'est collé? Mon enfant. Ah. T'as mangé ton enfant? Oui, papa. Et puis c'est venu coller. Oui, papa. Mais quand t'as envoyé, tu n'as pas rentré tout. Oh, t'es ici. C'est un culte. Il ne faut pas t'appeler. Il faut montrer la discipline. Tout la vie de toi, ça prend le culte. Oui. Il n'a pas bien emballé. C'est vraiment un culte. C'est pas lui qui doit t'appeler. Tu dois t'être ici. Hey, un diamo. Un diamo. C'est un gros quel morceau? Un morceau de la tête, puis à les os. Tu as mangé ça? Oui, papa. Et puis c'est collé où? Comme! Hé! Comme!
nos petites tribus, on a mis dans l'église. Envoyez ça, hein. Ah, vous me dites ça. Voilà, ça fait quoi. On dit que quelqu'un a mangé bien de l'homme, tu envoies ses petites tribus. Tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Vous lâchez son âme. C'est un ordre. Vous libérez sa vie et maintenant même, dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. La puissance de Jésus. Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds, la puissance de Jésus te libère. Lâche-la. Relâchez-la. Au nom de Jésus. Relâchez-la. Au nom de Jésus. Relâchez-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ. Si vous rentrez à la maison, priez beaucoup pour la nation. Amen. Amen. Voilà, priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. J'ai fait un son cette nuit, c'était pas trop bien. Mais prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Dieu m'a montré quelque chose en rêve, mais priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Dis à quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Dis à quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Dis à quoi quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Commandez la puissance de Jésus. Mon petit mouquet, ton ami, viens jouer, viens pour ici. La puissance de Jésus. Je vous ai dit, en France, là, c'est châssis, on prend. Vous m'avez montré une technique. À Paris. Quand les gens vomissent, c'est châssis dans le châssis. Donc, créez ça ici. Il faut aller apprendre les choses pour faire des bonnes choses. C'est comme ça. Il faut toujours prendre ce qu'on peut sur les gens. Oh, tu as versé ces pieds là, ça va mouiller encore. Amen. Dis à quelqu'un, tu seras délivré. Madame, viens. Tu as réussi. Vous la connaissez? J'ai souffert!
Je souffre, oh Niamie. Niamie, je souffre. Elle a grossi. Madame, tu es délivrée. Hein? Donne le micro. Tu as grossi, hein? Elle est sorcière, t'es sorcière. Elle est sorcière. Et puis elle va en prendre lui. Sainte là. Eh bien, la messie, elle est venue fou. Folle plutôt. Merci, si, si. Elle a fait des cris de folie pendant des mois. On intercédait. Sa soeur aussi. Ta soeur est très gentille, Nadège. Sa soeur. Non, elle est très, très gentille. Elle m'a très bien reçu à Paris. Et c'est cette soeur-là, toi, qui jouais ça. Ça va? Prends le micro. Parle dans le micro. Ah, vous dites allô? Vous faites allô? Vous faites. Hein? Hein? Vous faites allô? Allô? Hein? Ça va? Comment t'appelles? Awa. Comment t'appelles? Comment t'appelles? Awa. Ça va maintenant? Hein? C'est une scène de l'amener s'amuser. Quand lui l'a baisé, si elle a, c'est fini. Une crise de folie. On est tous en train d'intercéder pour que Dieu la guérisse. Si on était prêts, on est parti. Tous ceux qui ont fait cette expérience sont tous morts. Non, ne jouez pas à ça. Hein. Il y a quelqu'un qui est venu jouer ça ici, il est mort. Il y a plusieurs personnes qui ont joué ça ici. Ils jouent à les trucs sacrés. Vous allez, vous voulez larguer Dieu, c'est ce que ça veut dire. Vous venez essayer Dieu. Donc Dieu va vous montrer qu'il est fort. Toi, t'es qui? Tu dors, tu te réveilles, tu sais où tu étais parti quand demain. Et puis Dieu te dit, réveille-toi. C'est à lui que tu viens jouer. Pourquoi les gens sont bêtes? Maintenant, ça va? Oui. Tu es guéri. Faut prendre, non, vas-y. Faut prendre le micro. Tu es guéri. Oui. Tiens. Tu es guéri. Oui. Vrai, vrai, là. Elle n'est pas comme ça, elle était maigre, elle ne mangeait plus. Et puis elle tombe seule. Elle ne mange plus. Maintenant tu manges. Oui. Tu finis un plat. Ça, c'est intéressant ça. Ça va maintenant. Hein? Hein? Oui. C'est qui tu n'avais pas dit là? Tu as dit ça. Oui, si, si, si. On va achever sa délivrance. C'est pas ça? Hein? Oui. Tu étais sorcier. Ah, tu ne veux pas parler. Tu as recommencé ton truc là. Tu as laissé sorcellerie. Non. Là, comment en français? Vous avez pris un tailleur? Non. Comme janvier arrive, on a pris des moyens pour janvier. Tu as laissé sorcellerie. J'aime bien vos réactions. Ça veut dire que vous êtes tous sur les votes qu'on a sorti. On acclame le Seigneur. Amen. Quand j'ai fini janvier, le 25, 31, puis j'ai laissé sorcellerie. Non, tu es rentré ici là, c'est fini. Dieu va te délivrer, n'est-ce pas? Elle-même a tué son enfant, elle a mangé. Elle se s'arrachit. Ça va maintenant? Elle va t'asseoir. Ici nous aidons tout le monde. Amen. Ouh, c'est là. Dis à quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Amen. Amen. Je suis en train de banaliser le diable. Ça va toi? Ça va? Toi? Ah, dimanche, c'est qui t'a montré ici? C'est pas lui qui a fait le spectacle? Viens quoi? Les démons, c'est ça? On va t'aider, hein? Compris? Ici, on aide tout le monde. Il faut être amour, c'est important. Oui, il faut être amour. Il faut arriver au stade de l'amour, la compassion. On n'est pas jugé les faits et gestes de quelqu'un. Il faut comprendre qu'il y a un esprit derrière. Se tranquilliser. Dis à quelqu'un, Jésus va te guérir. Amen. Amen. Demain, même si c'est contenu des démons qui sont en toi, ils vont tous partir au nom de Jésus. Amen.
Go! Puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. La puissance.